Voilà, aujourd'hui je suis avec Yad Ali. Ben, Yad Ali, justement, tiens, présente-toi. Bah, écoute, je m'appelle Yad Ali, je suis issu du quartier, j'ai 23 ans. Je travaille au CAGE Bel Air à la Grand-Fonds, ça fait 3 ans aussi. Puis, ben, voilà. Alors, aujourd'hui on est là avec le quartier des acteurs pour parler d'une chose, c'est le tournoi de foot que tu organises. Ouais. Alors, explique-nous un peu ce tournoi-là. Alors, j'ai eu l'idée en partenariat avec le comité de quartier, le CAGE, la mairie aussi pour essayer d'organiser ce tournoi. Et j'ai eu aussi l'idée avec Mamadou Mint, Mohamed Mint et Hakim Benassman qu'on puisse réaliser ensemble ce tournoi, qu'on puisse attirer du monde dans le quartier et qu'on essaie de faire venir un peu tout le monde de tout le quartier. D'accord. Donc la création de ce tournoi, déjà ça commence par l'idée des copains du quartier, quoi. Ouais, c'est ça, par les copains du quartier. Comme ça fait 6-7 ans qu'on organisait des tournois City Stade comme ça, bon, on s'est dit pourquoi pas réaliser un grand tournoi avec un grand événement, quoi. Ouais, un peu plus grand. Maintenant, voilà. Maintenant que tu as l'habitude d'en organiser, tu t'es dit pourquoi pas. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire, donc ce qui est intéressant, c'est que ce tournoi, donc tu as invité beaucoup d'enfants, enfin ouais. de jeunes, de quartiers différents. Ouais. Et quels sont les quartiers qu'on pourra retrouver un petit peu ici Bah, il y aura toute l'agglomération, il y aura, je pense, ma campagne, Basso, Soyou, Ruelle, l'île des Pagnac, ça dépend un peu de toute l'agglomération. D'accord, donc le but vaut mieux, comme dit l'autre, vaut mieux se retrouver autour d'un terrain de foot et tous s'entendre que d'aller faire des bêtises. C'est clair. Voilà, ça c'est important. Ouais. Alors ce tournoi il commence à 15h? 15h30, rendez-vous à 15h pour que tout le monde soit là à l'heure et à 15h30 on débute le tournoi. D'accord, et il me semble qu'à la fin il y a un petit barbecue. Il y a un barbecue aussi à la fin, participation de 2 € tout le monde. Ouais. Il y aura une buvette aussi avec des coca à offrir et ça sera 1 € par personne pour la canette de coca. D'accord. Bon bah écoute, on te souhaite un bon tournoi. Ok, bah merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. Ciao. Alors ciao. Là on a eu notre partenaire. Ah vas-y, présente-toi. Moi c'est Hakim. Hakim. Alors Hakim, quel va être ton rôle? J'ai du mal à parler, je suis comme toi, je suis fatigué aussi. Quel sera ton rôle aujourd'hui pour ce tournoi? Moi je m'occupe de la deuxième partie du tournoi, tout ce qui est barbecue, boisson, tout ça pour une petite récompense, pour qu'on mange tous ensemble après, que ce soit un peu convivial. C'est surtout le mot convivial qui est très important. C'est ça qui est important. Bien sûr, tu as pris les dispositions au niveau de la règle de sécurité en ce qui concerne le barbecue. Bien sûr, on ne fait pas ça n'importe comment. Mais... Voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et tiens, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure à Yad Ali, mais bon, c'est pas grave, hein, tu peux aussi répondre. Ce tournoi, si c'est une réussite, est-ce qu'on pourra en revoir d'autres? Bien sûr, c'est avant tout pour ça qu'on le fait, pour voir si ça marche bien, et pour voir si on fait des erreurs et s'en servir pour en faire encore des meilleurs. Voilà, donc pourquoi pas à l'avenir, si on peut dire, bon, faut peut-être pas de rêver, mais bon, c'est aussi ça, là, avoir l'ambition, pourquoi pas tous les ans, après, organiser des tournois ici, ici ou ailleurs, mais des tournois interquartiers. Ouais, mais c'est ce qui se passe, hein. On a des gens de plusieurs quartiers là qui viennent, il y en a même qui viennent de d'autres villes carrément. Non, mais c'est bien ça. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que après il faudrait qu'on sait que par exemple, je sais pas moi, tous les mois de juillet, ouais. Ou tous les mois de juin, hein, suivant le temps et la date, on se dira bah, tiens, c'est bientôt le tournoi interquartier de Bel Air. Ouais, enfin ouais. Comme un festival quoi. Il y aura son propre tournoi ici à Bel Air. Bon, on l'a fait, on se l'est pas dit dans la tête, mais c'est à peu près ce qu'on compte faire. Donc si ça marche. Aujourd'hui, on est avec une version bêta en espérant que si les retombées sont bonnes, on peut dire espérer. Que c'est un prototype aujourd'hui. Voilà, donc on peut espérer après. En avoir plusieurs, pourquoi pas plusieurs dans l'été même, carrément. Vous serez d'accord avec moi, les gars, parce que bon, moi je vous connais, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi je suis, en tant que président et en tant que Manu, je veux dire aussi, je suis content de ce que vous faites parce que ça montre aussi une image qui est parfois sur les idées cassées, sur les idées reçues, pardon. C'est qu'on croit que les jeunes de quartier, ça c'est que voler ou dire des gros mots ou n'importe quoi. Mais ça sait aussi réfléchir, la preuve. Bah oui, c'est pour... C'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu passerais comme message à d'autres jeunes? Investissez-vous, faites quelque chose pour être mieux reconnu. T'as une idée, fais-la. Attends pas, faut attendre personne, faut pas attendre les gens. D'accord. T'as une idée, tu l'as fait. Attends pas tes copains ou quoi. T'es tout seul dans la vie. Ah oui, on est toujours mieux servi que par soi-même. Et ben là, je suis avec un autre collègue. Ben lui, il est un peu plus connu. Enfin, un peu plus connu puisqu'il fait des hauts. Ben, il va se présenter. Ouais, moi, c'est Mamadou. Evan Barzel sur Facebook. Voilà. Mamadou, coup, entre... ouais, Mamadou, toi, tu fais des vidéos avec... Ouais, si, je fais des vidéos et tout. Une émission, tu vois, de rap. En fait, je vais un peu voir tout le monde et tout.
d'Angoulême, je vais voir les rappeurs des autres quartiers. Je suis aussi allé voir des rappeurs d'autres villes et tout. Je les filme et tout. Et ouais, là, je suis pas spécialisé que dans le rap. C'est-à-dire que même un sportif qui arrive à un haut niveau, je peux aller le filmer, quelqu'un qui monte sa marque de vêtements, qui monte sa marque de vêtements, sa marque de boissons, etc. Moi, en fait, je suis là, en fait, le but de l'émission MSTV, c'était de démontrer qu'en fait, il y a des gens qui font des choses, et ces gens-là, j'essaie de les mettre en avant, tout simplement. Ouais, d'arrêter de garder ces stéréotypes et de vraiment penser que les jeunes dans les quartiers aussi, ils ont un cerveau, on va dire ça comme ouais, ça. Voilà, ouais. C'est pour montrer qu'on sait faire les choses. Et c'est quoi ton rôle aujourd'hui, toi ? Moi, c'est l'organisation, mais en même temps, je vais jouer, comme tout le monde sait que moi, je suis un compétiteur. D'accord. Donc voilà, mais après, quand je jouerai pas et tout, je serai toujours là pour aider le coach, là, dans l'organisation. Et voilà, je fais partie de l'équipe qui a voulu monter ce projet-là. On était en train de manger tous ensemble, on s'est dit, vas-y, bah, pourquoi pas faire un tournoi à Bel Air qui va réunir toutes les personnes d'Angoulême. Comme il vous l'a dit, Hakim, il y a des gens qui sont venus carrément d'autres villes. Donc déjà, pour nous, c'est un succès. Et voilà, nous, on va pas se limiter à ce tournoi-là. On va essayer d'en faire d'autres. Et comme il a dit, pourquoi pas en faire même plusieurs cet été. Si c'est un succès-là, bah, l'idéal, ce serait d'en faire plusieurs. Est-ce qui est important ? Faire une saison de football d'été, une saison de City Stade pour l'été. Oui, bien sûr. Et je pense que ce qui est important aussi, comme le disait Yad Ali tout à l'heure, c'est de se dire que vous avez bon, le CAJ, le comité de quartier et aussi la municipalité. Et quelque part aussi, ces deux structures, on va dire, dans le CAJ qui est grande, mais la municipalité, c'est important aussi pour vous qu'elle s'engage parce que ça prouve aussi que voilà. Merci monsieur le maire pour le prêt de matériel et pour les lots. Parce que peut-être qu'on aurait, ce serait pas aussi nickel aujourd'hui s'il n'y aurait pas ça. Voilà, bah, je te remercie. Je pense que quand tu regarderas la vidéo, il en sera content. Mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand un tournoi comme celui-ci, pour certains, ça paraît pas énorme. Mais pour vous, ça l'est parce que c'est un challenge. Et savoir qu'une municipalité, exemple, vous suit, le CAJ vous suit, les comités de quartier vous suit, ça prouve aussi que nous, on vous accrédite, qu'au contraire, on vous fait confiance. Et puis voilà, il faut avancer tous ensemble. Et en plus, je préfère voir des jeunes qui courent après un ballon, même si les gonzesses disent que c'est un peu stupide, que de voir des jeunes casser des voitures. Et ça, vous êtes un bon exemple. Et j'espère que beaucoup feront comme vous, quoi. Sauf piquer l'idée des tournois d'été parce que ça se passera à Bel Air. Non, il faut que ça soit ouvert à tous. Un dernier mot peut-être, c'est pour le quartier des acteurs. Ouais, big up au quartier des acteurs, big up à Jean-Paul et le CAJ parce que lui aussi il a donné des lots. Et big up à la municipalité, ils nous ont soutenus. Donc voilà, big up à vous tous, comité de quartier. Ok, un dernier mot peut-être avant de... Déjà merci pour tout, je pensais pas que ce tournoi allait prendre une telle ampleur. Et comme l'a dit mon collègue Mamadou, merci à tout le monde. Ce serait pas aussi grand sans vous aujourd'hui. Ah bah c'est sympa. Coach ? Je remercie tout le monde aussi, les organisateurs, les structures, la ville. Et c'est vrai que ça va être un très bon moment pour cet après-midi. Voilà. J'espère qu'il y aura du respect et que tout le monde jouera le jeu. D'accord. Ben écoutez, nous, en ce qui nous concerne, le quartier des acteurs, on espère vous inviter même dans notre émission d'ici quelques temps, parce que c'est aussi ça, c'est de montrer tous ces acteurs qui sont dans l'ombre et qui font bouger leur quartier. C'est aussi important qu'une grande personnalité. Ben les gars, je vous souhaite un très bon tournoi, et puis de toute façon, on peut dire à ceux qui nous regardent, hein, vous aurez les images de ce tournoi. Je voulais rajouter un dernier mot. Merci au quatrième organisateur qui n'a pas pu venir aujourd'hui, il est malade, il est resté cloué au lit. Il n'a pas pu venir. C'est tout ce que je veux. Et c'est qui le quatrième? On lui dit au revoir, c'est... Ah, c'est mon frère. C'est son frère, son petit frère. Ouais, il dormait. Il dort comme d'hab. D'accord. Et je tiens aussi à remercier Mohamed Meder de ma campagne, qui m'a passé pas mal de t-shirts aussi lorsqu'il a fait son tournoi 6 hier à Lunès. Et je remercie aussi Mohamed Delimas, Faïs Salanifi, Mohamed Akouchou, qui nous aide à arbitrer. Et au niveau d'organisation aussi. Eh bien écoutez les gars, c'est super. Et toi aussi. Oui. Et Manu, si on te remercie. Derrière la cam. Pour le filmage. On te remercie aussi également pour le prêt de matériel. Et puis bah, voilà. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, le rôle du quartier des acteurs, de Manu, surtout Manu, parce que c'est comme je disais en début d'émission, c'est de casser ces idées reçues. C'est-à-dire que notre émission, c'était une émission d'information
pour tous les Angoumoisins. Et qui dit information, c'est pas forcément que parler politique, c'est aussi de parler de convivialité, ouais, de sport. Parce que comme dit cette pub, on n'a pas les mêmes maillots, mais on a la même passion. Donc continuons. Les gars, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis il y aura des images donc. Hein. Ouais les gars, Miguel!